Comme Nelly veut toujours avoir les pieds dans l'eau, être aux premières loges, eh bien, je découvre des manières différentes de voyager. Là, c'est un peu glauque, cassé. Seulement, je serai au bord de l'eau. Vous voulez un tour du camion et comment on vit dans un camion après le coucher du soleil? Eh bien, le coucher du soleil, la cabine avant, le salon de monsieur, et puis j'arrive de la terrasse où je faisais le yoga. Et comme il pleut, je viens de rentrer. J'ai envie de vous présenter la première oasis du bonheur. J'ai Mimi et Jackie et regardez cette abondance. Jackie, bonjour. Bienvenue à la maison, bienvenue dans la bananeraie, bienvenue dans notre forêt de fruits. Alors, Roux Adventure Center, ce lieu du bonheur, tu nous racontes ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est ton image? Qu'est-ce que tu as eu envie de créer? Qu'est-ce que vous avez eu envie de créer? Disons qu'on va dire que nous, on est vraiment parti pour l'autonomie, on mange des fruits. Donc pour nous, on va dire entre guillemets, le bonheur, ce serait de pouvoir avoir plein de variétés de fruits présents toute l'année, aller les cueillir sur l'arbre pour qu'ils soient mûrs. Et donc ça, c'est un peu la représentation. On est vraiment dans la bananeraie, on plante plein de variétés d'arbres, des fruits du dragon, tout ce que tu veux. C'est le rêve de tout le monde, hein. Ouais, et le mien aussi. Hein. Et voilà. Ah. Et alors, dans ce lieu Oasis du Bonheur, vous recevez, vous faites des séminaires. Ça s'appelle Raw Adventure Center. Ouais. On vient faire des stages, on apprend à manger, respirer, s'organiser. Grimper la montagne, nager au milieu des océans. Ouais, on va dire on apprend tout pour être autonome, pour être en vitalité, pour être en pleine forme. Ouais. Et donc ça passe par tout ce que tu disais, quoi. Oui. Et tu nous apprends aussi à faire le jardin permaculture, à cultiver une bananeraie sur un morceau de caillou sec, c'est ça. Et à fabriquer de l'électricité avec de l'eau. Il y a vraiment tous les points pour vraiment être autonome, quoi. C'est autonomie, liberté et après bonheur, quoi. Donc voilà.
Nelly, c'est pas un endroit de paradis, ça? Je me posais la question combien de temps je pouvais rester. Sans téléphone? Sans téléphone. Sans électricité? Sans électricité, sans... Simplement dans un endroit comme ça où il n'y a rien. Et sans les gens? Et sans le silence complet. Et là, notre nouvel ami bouddhiste de son état vit dans cette petite cabane. Heureux. Et il ne cultive pas. Tout pousse. Tout lui nourrit. L'ascension du Teide et de la montagne du Teide, c'était un challenge. Sortir d'une de mes prisons. J'étais sûre que je pouvais arriver en haut allègrement, comme j'ai toujours fait, sans entraînement, des challenges, des marathons, des kilomètres lancés en ski. Des ascensions, du sub 5 en escalade. Et là, je n'ai pas réussi à finir les 200 derniers mètres. Pour la première fois de ma vie. Alors c'était quasiment inacceptable pour moi. Je me suis sentie entourée. Au lever du soleil, donc à 5 heures du matin. Arrivée en haut au sommet, ou presque sommet à 11 heures. Et à 4h30 du matin, j'ai senti mes démons intérieurs. Je trouvais que tout était noir, que les démons étaient noirs, que plein de bêtes noires m'assaillaient, sortaient de moi, me faisaient dire des choses épouvantables, à moi-même d'ailleurs, et à l'homme. Je voulais le quitter, quitter mon vaisseau, quitter le sien de vaisseau spatial. Tout abandonner, abandonner la vie. Mais en quelques instants, en quelques secondes, en quelques minutes, je n'étais plus moi. J'ai été prise par, probablement, je l'ai su après, en faisant quelques séances avec deux de mes amis énergéticiens, siennes. J'ai été prise par le démon, le magma, la masse de mes démons qui se manifester, parce que tout est un moyen de, en ce moment, de manifester et de laisser sortir tout ce qui ne nous appartient pas. C'était difficile. Je râlais, je rageais. Je n'en pouvais plus. J'étais même pas capable de remercier. Et je n'ai pas été capable de remercier ceux qui m'ont accompagné et qui m'ont supporté pendant cette ascension où j'étais grognon, grommelante. En fait, je n'étais pas moi. Ça arrive, quelle leçon! Des leçons en ce moment, j'en ai tous les jours, puisque c'est ce que j'ai souhaité, me libérer au maximum de tout ce qui ne m'appartient pas. Merci à ceux qui m'accompagnent.